Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Magic Pascal. Aujourd'hui, une démonstration en vidéo d'un numéro de magie extraordinaire. Ce tour de magie a été inspiré du grand classique Le Collier de Grand-Mère. Dans un instant, je vais vous présenter un tour mystérieux avec trois perles. Imaginez, un collier ancien, transmis de génération en génération et qui renferme un pouvoir secret. Pour la première fois en vidéo, je vais vous révéler les trois étapes indispensables pour effectuer avec succès un tour de magie. Restez jusqu'à la fin car la somme des trois conseils que je vais vous dévoiler est la base même de la construction d'un tour de magie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo. À partir de maintenant, vous êtes connecté pour vivre une expérience incroyable de magie. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Brigitte. Salut à vous. Un bon tour de magie s'effectue en trois étapes. La première étape est la promesse. Il y a tout d'abord la présentation du tour et des éléments qui le constituent. Il s'agit en fait de la phase essentielle où le magicien fait une première approche et d'une manière de créer un lien avec le public. Brigitte. Oui. Regarde attentivement ces perles de cristal. Elles te semblent ordinaires, n'est-ce pas? Ouais, elles sont magnifiques. Maintenant, je vais les passer sur ces deux cordes. D'accord. Voilà. La première. D'accord. Voilà. Alors qu'on voit bien. La seconde. Et la troisième. Hop. Voilà. Les cordes te semblent bien attachées? Oui. Ok. La deuxième étape, le tour, c'est l'étape qui engage la première partie du tour de magie. Le magicien, par une manipulation invisible, va créer une tension au sein du spectateur en créant la surprise. Brigitte, retourne ta main, paume face en l'air. Comme ceci, voilà. Et tiens les perles dans ta main. Oui. Retourne ta paume face en bas. Et je vais nouer les cordes. D'accord. Voilà. Maintenant, regarde. Par une manipulation invisible. Oh, c'est magique. La corde a traversé ta main. Oui. Tu retournes. Et les perles se retrouvent dans ta main. Incroyable. Je suis... La dernière étape est le prestige. Celle-ci vient clore le spectacle en démontrant que le tour de magie n'était pas truqué. Voilà Brigitte, tu as les trois perles et les cordes, tu peux tout examiner. Et voilà. En effet. Et le mystère reste entier. Carrément. Ça t'a plu? Ah mais carrément, c'est génial, surprenant. Bravo Pascal. Merci. Ne partez pas car je vais vous communiquer une information essentielle supplémentaire maintenant. Cette version de ce tour s'appelle Grand Main Miracle, produit par la marque TCC. La base de ce grand classique de la magie date depuis 400 ans, remontant au Moyen-Âge. Incroyable, non? Nous sommes à la fin de cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire avec un petit like. Par la même occasion, si vous possédez cette version, de me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ma chaîne dédiée à la magie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle aventure. Ciao les amis!